Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Air Télévision. C'est le premier numéro du Monde au féminin ce soir de l'année. Je vous souhaite au nom de la rédaction, au nom d'Air Télévision, une très très belle année, de l'apaisement et surtout de la santé pour vous et vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévision. C'est un plaisir de la recevoir depuis le temps. On est fan d'elle, je suis même fan d'elle. Merci d'être avec nous, Samra Seddik. Ben, merci à vous pour l'accueil et de me recevoir sur votre plateau. Alors, inutile de vous dire que dans cette émission, on en a reçu des invités. Et c'est vrai qu'il y a des invités comme ça qui nous marquent, des coups de cœur. Et vous en faites partie. Et après avoir aussi échangé avec des confrères d'autres presses, audiovisuelles, presse écrite, qui vous ont reçu. Et c'est vrai que là, vous passez, en tout cas, vous ne passez pas inaperçu. Samra Seddik, donc vous êtes une jeune maman de 3 enfants. C'est ça. Et il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ans, on est au mois de juin 2016, vous êtes révoltée, vous vivez une situation très particulière, vous êtes sage-femme en région parisienne, et là vous avez une maman qui attend 2 jumeaux. Des petites jumelles, et vous allez nous raconter tout ça. Il y a un moment donné, quand la maman est arrivée à terme, pour donner naissance, elle doit préparer son bagage, ses effets personnels, ses besoins. Et là, cette maman, elle arrive avec un sac plastique. C'est ça. En fait, je suis dans un hôpital où on transfère les mamans pour accoucher sur le lieu où elles sont suivies. C'est un hôpital où on suit les mamans sur le point de vue médico-psychosocial. Donc, on ne fait pas les accouchements là-bas. Donc, à un moment donné, je lui demande de prendre ses affaires. Elle prend ses affaires, donc comme vous le disiez, un petit sac plastique avec quelques affaires pour 2 bébés qu'elle attend. Et puis voilà, j'étais moi-même enceinte à ce moment-là. Donc, très, très touchée, encore plus par cette situation. Je venais de préparer mon petit bagage. Donc, ça a été le déclic, on va dire. Après avoir vu d'autres situations similaires, c'était vraiment le petit déclic. Alors là, vous vous dites tout simplement, soit on constate et on passe son chemin, et c'est le cas malheureusement pour de nombreuses personnes qui défilent dans les rues de Paris. Il y a des migrants un peu partout, il y a des femmes seules, on va en parler longuement ce soir, en difficulté. Mais là, vous vous décidez de passer à l'action et d'agir, et là, le petit bagage d'amour est né. Racontez-nous un peu la naissance et puis ce nom, c'est vrai que ce nom, il est magique. C'est ça. Donc, le soir même, en fait, j'en parle à mon mari. On était posés, je lui dis, je lui raconte la scène et tout ça. Puis après, je lui dis, on ne peut pas rester comme ça. Il me dit, bah oui, c'est une bonne idée. Donc, il m'a suivi tout de suite, en fait. Et puis, une très, très bonne amie, Imen, qui, dans la semaine d'après, débarquait chez moi avec plein de sacs qu'elle avait collectés. Au niveau de sa région, aller vers Versailles. Donc, ça a été très vite, en fait. Dès l'idée lancée, y a beaucoup de personnes qui ont suivi tout de suite, qui ont donné, qui ont participé et qui ont suivi le projet et qui continuent aujourd'hui à le soutenir. Qui continuent aujourd'hui à le soutenir. Alors, vous dites clairement aujourd'hui, hein, les femmes enceintes réfugiées et à la rue, c'est de la précarité, mais c'est en fait une urgence médicale. Ça relève de la santé. C'est vraiment de la santé, c'est une urgence médicale. C'est des mamans donc, qui sont très vulnérables sur le plan psychologique et sur le plan médical, hein, qui risquent plus de faire des menaces d'accouchement prématuré, de développer certaines pathologies du fait de leur précarité, du fait d'être à la rue, du fait de ne pas manger à leur faim. Donc, c'est des mamans qui fabriquent un bébé, donc ça demande un minimum. Et de ne pas avoir cette stabilité, ben c'est dramatique. Ça ne devrait pas exister, quoi. Ça ne devrait pas exister. Vous le dites si bien. Alors, ces femmes, ce sont des... Quel profil, si je puis me permettre un peu l'expression. Oui, ce sont des femmes des femmes migrantes, rupture familiale, expulsées de leur famille souvent. Parfois, elles tombent enceintes, on n'en veut plus. Il y a aussi la violence conjugale. Vous avez vraiment tout type de tout mamans. Tout à fait. On a tout type de mamans avec une... majorité de mamans réfugiées, donc qui fuient des pays en guerre, qui fuient la misère, qui fuient beaucoup de choses, la violence. Donc il y a vraiment tout type de profil. Les mamans réfugiées, bon, c'est souvent des mamans qui ont traversé beaucoup de choses pendant leur grossesse, parfois qui ont traversé la Méditerranée sur des bateaux de fortune en étant enceintes, qui ont subi les violences en passant par les pays intermédiaires, enfin...
C'est vraiment des mamans qui ont vécu mais des choses qu'on pourrait même pas supporter, nous, à 10%, quoi. Donc, c'est des mamans, on a envie de les aider, de les soutenir, on ne peut pas rester comme ça à ne rien faire. Et le mieux qu'on puisse faire pour elles, au moins, c'est de les décharger de certaines choses pour qu'elles puissent accueillir leur bébé en toute sérénité et au moins pas penser au côté matériel, quoi. Parce que malheureusement, on n'a pas le secret pour tout, on n'a pas la solution pour tous les autres problèmes qui entourent ces mamans, mais au moins leur apporter un petit soulagement à ce niveau-là. Ça leur fait Oui, du bien. dans quelques instants, on va apercevoir un petit reportage photo qui notamment, voilà, on a le plaisir d'apercevoir quelques bénévoles. On va en parler des bénévoles Oui, tout à l'heure, les bien évidemment, et super puis aussi des bénévoles images et d'ici. des petits cadeaux que vous offrez à ces mamans et à ces futurs bébés. Mais comme vous le dites, ce sont aussi des mamans qui traversent parfois la Méditerranée, des femmes qui subissent. Alors vous partez notamment de cette traversée, de cette femme qui a traversé la mer de Libye pour fuir la guerre avec un viol sur le bateau, qui devient enceinte. Donc vous rencontrez aussi ces douleurs-là qui sont Tout des à douleurs fait. atroces. Voilà. Donc, c'est des mamans qui sont traumatisées, quoi. Et qu'on essaye d'orienter le plus possible vers des psychologues. Il y a des psychologues bénévoles qui se proposent régulièrement sur notre page. Et c'est des choses, ouais, très difficiles à entendre, très difficiles à accompagner, mais pour lesquelles on ne peut pas les laisser seules face à À face à leur tous leurs maux, situation. quoi. Ouais. Il y a aussi cette petite fille éthiopienne de 2 ans, dont la maman périt sous les yeux dans ce bateau, et c'est le papa qui vient à votre rencontre et qui vous demande de l'aide. Un petit bagage, tout à fait. Tout à fait. Donc, même la détresse de ce papa, enfin, perdre sa femme, devoir s'occuper du coup de son bébé, son bébé de 2 ans, qui est encore un bébé. Voilà, c'est des choses que ces personnes ont traversées qu'on ne peut même pas imaginer, en fait. Quel sentiment vous éprouvez-vous quand vous rencontrez En ces fait, mamans? je Vous êtes suis. maman, de 3 enfants. Quand vous rencontrez ces mamans, qu'est-ce que vous éprouvez comme sentiment de la douleur, de la peine, de la révolte Tout, il y a tout qui se mélange. Déjà, avant tout, c'est de l'admiration. L'admiration de rester debout après toutes ces épreuves. De rester debout, en fait, elles restent debout pour leur bébé, pour leurs enfants souvent, pour pouvoir leur donner l'exemple et continuer à subvenir aux besoins des enfants. Mais c'est beaucoup d'admiration que j'ai face au courage qu'elles ont eu pour traverser tout ça. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais pu rester debout ou rester en vie tout court. Enfin, c'est incroyable la force qu'elles ont. Elles ont une force qui n'existe pas, quoi. Pour moi, c'est du surnaturel. Donc, de la peine, hein, beaucoup, évidemment. Enfin, même mes collègues, hein, on est toujours très, très touchés face à certaines situations, d'autres qui nous marquent beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, cette association, ces rencontres qu'on fait. C'est beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup d'émotion. Il y a tout qui se confronte. La vie et l'humain, mais C'est justement, sur ça. ces quelques clichés qu'on a d'ailleurs récupérés sur vos réseaux sociaux, on aperçoit ici une famille, des bénévoles, des actions. Alors parfois, effectivement, il y a aussi des sourires, il y a des images d'ambiance, et il y a aussi tout ce petit matériel, ces besoins nécessaires, primaires. On a besoin de vous, l'association a besoin de vous. On vous le redira tout à l'heure.
De retour le monde au féminin ce soir avec un petit bagage d'amour. Présidente, fondatrice depuis 2 ans, Samra Seddik est avec nous. Samra Seddik, on vient de voir ces images, ces photos. On a ces bénévoles, on a aussi ces jouets, ces couches. Quels sont réellement ces porte-bébés, ces poussettes? Vous offrez de tout et vous avez besoin de tout. Tout à fait. Donc on a besoin beaucoup de layettes, 0-3 mois. C'est ce qu'on met dans les bagages naissance pour la maternité, pour les mamans et les bébés. En ce moment, particulièrement, on a besoin de combinaisons. Vous savez, les gros manteaux pour les bébés qui couvrent de la tête aux pieds. Pour le froid. Voilà, tout à fait. Donc, on a beaucoup besoin de ça en ce moment. Et tout ce qui est poussette naissance aussi. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à avoir. Après, on a fait un petit arrêt pour le moment sur le reste des dons, parce qu'on prenait des habits plus grands pour les enfants 6, 9 mois, jusque 2, 3 ans, pour quand ils grandissent, hein, parce que les mamans reviennent nous voir avec les habits des enfants plus petits. Et du coup, on leur redonne des habits plus grands. Mais pour le moment, on s'est focalisé sur les 0-3 mois. Le temps de trier tous les beaux dons qu'on a reçus. Parce que vraiment, les gens sont généreux et ils nous donnent beaucoup. On s'arrête quelques instants sur vous. Rapidement, vous avez réussi. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un d'abord de très souriante. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à votre rencontre samedi dernier. On va en parler, hein, de l'église Saint-Sulpice dans quelques instants. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. J'ai eu le plaisir d'aller à votre rencontre la semaine dernière pour avoir quelques images. On écoutera notamment Françoise tout à l'heure qui s'est exprimée au nom des bénévoles. Fanfan, qui est une femme formidable parmi toutes les bénévoles. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui alors je rappelle que vous êtes d'origine algérienne, comment Samra Seddik est arrivée qu'est-ce qui fait cette famille? J'ai eu le plaisir de rencontrer aussi votre frère samedi, voilà, c'est vraiment de famille, vous arrivez comme ça rapidement à embarquer tout le monde. Ben, c'est les gens quoi, ils sont merveilleux, c'est eux, ils ont été vraiment très, en fait c'est comme un effet boule de neige. Il y a un petit projet au début, des personnes autour qui arrivent, et puis ça n'arrête pas, en fait. Le projet les enchante tellement. C'est une cause qui touche les mamans, les bébés, comme je disais, qui n'ont rien demandé, quoi. Ils ne sont pas encore nés, donc il y a des personnes qui s'indignent de l'immigration, de tout ça. Il y en a, mais les bébés, ils y sont pour rien dans l'histoire. Je le dis toujours, c'est peut-être des petits êtres innocents qui n'ont pas demandé à venir. Donc, au moins, eux, on les accueille. Donc, tout le monde est très, très touché par souvent ce qui touche les bébés, en fait. Et j'ai eu la chance d'être toujours très bien entourée, ça depuis que je suis née, je pense. J'ai des amis formidables qui entraînent aussi des amis formidables autour d'eux. Donc, je pense que tout est là. Tout est lié. Vous êtes maman, vous êtes sage-femme, vous baignez dans le milieu de la vie. La plus belle chose du monde, c'est de donner la vie, naissance. Vous n'aviez pas à un moment donné envie de vous dire, bon, je fais une pause tout de même. Vous êtes maman à la maison, maman au travail quelque part, et vous êtes encore maman à toutes ces permanences. Vous vous déplacez aussi pour aller à la rencontre des familles qui ne peuvent pas venir rue Palatine à Paris. Voilà. Votre vie, elle est vraiment, vraiment, vraiment autour du plus beau métier du monde, c'est d'être maman. Oui, alors déjà, c'est vrai que les 3 enfants, c'est beaucoup de travail. Ah bah. Du coup, j'ai beaucoup de chance d'avoir mes collègues, mes bénévoles qui, en fait, ont carrément pris toute la relève. Hein. J'y vais très rarement aux permanences. Maintenant, ça tourne à peu près 1 à 2 fois par mois parce que ben, derrière, elles assurent. Elles font tout, elles organisent les permanences, elles reçoivent les mamans. Elles vont à la rencontre des familles quand celles-ci ne peuvent pas se déplacer. Puis, il y a aussi les associations partenaires qui nous aident beaucoup pour les colis alimentaires, pour le logement, pour l'aide au logement. Enfin, je ne suis vraiment pas seule à faire tout ça. Enfin, surtout depuis que j'ai mes 2 autres enfants. Quand j'en avais qu'une, encore, je pouvais encore un peu me déplacer. Mais maintenant, c'est... Maintenant, voilà, je délègue beaucoup et elles sont là, elles assurent la relève, quoi. C'est ce qui fait votre force. Alors, vous êtes sur le terrain, vous aidez énormément. On peut parler aussi quand même de notre pays, ce beau pays qui est la France, avec ce système de magnifique système de santé tout de même, de soutien, d'association. Tout de même, il manque des aides. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Le chef de l'État avait annoncé qu'il ne souhaiterait plus voir de SDF, de femmes, d'hommes dans la rue. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, notamment comme une présidence ou un gouvernement comme la France, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens dans la rue? Selon l'INSEE, il y a en tout cas 40% notamment de femmes sans domicile fixe. Alors les mamans, on n'a pas trop de chiffres, mais
Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France? Il faudrait vraiment, je pense, un ministère totalement dédié à la solidarité. Vraiment que ça. Parce que il y a des problématiques qui ne sont pas du tout résolues. Du tout. Par exemple, comme vous le disiez, les SDF. C'est pas normal qu'il y ait des mamans bébés dehors, qui dorment dehors. Et ça, on l'a beaucoup vu cet hiver. Vous vous rendez compte d'ailleurs, avec vos travaux, vos interventions sur le terrain, qu'il y a énormément de mamans, de mamans. Une femme à la rue, bien évidemment, voilà, c'est inqualifiable, mais une maman, c'est C'est encore plus dur, pire. c'est pire. Une femme enceinte, une maman qui porte la vie dehors dans le froid, enfin, c'est pas possible, quoi. Déjà que quand on est enceinte, on a besoin d'un lit spécial pour pas avoir mal au dos et tout ça. Alors là, vous imaginez, à même le sol. Et puis le froid, enfin, imaginez un bébé qui vient de sortir de maternité dehors, mais c'est pas possible. Là, j'ai appris récemment que le 115, les priorités pour le logement d'urgence, c'était donc les femmes enceintes au-dessus de 6 mois, il me semble, et les bébés de moins de 8 jours. Donc quand un bébé a dépassé l'âge de 8 jours, il ne rentre plus dans les priorités. Ce qui explique pourquoi il y avait des bébés comme ça, de cet âge-là, dehors, surtout en Seine-Saint-Denis, hein. Donc les hôpitaux leur ouvrirent les portes cet hiver pour pallier au manque des logements sociaux. Des logements d'urgence, je veux dire. Les logements sociaux, c'est encore autre chose. Autre chose. Mais même voir des mamans, bébés, femmes enceintes dormir dans un hôpital à même le sol, enfin, c'est pas tolérable. En En France, France, en c'est pas possible. 2018, en En 2019. 2019, voilà maintenant. Et puis en voyant tous les logements vacants qu'il y a en Île-de-France, je ne sais pas combien de milliers, de millions, mais il y a suffisamment de logements vacants pour pallier au manque C'est vrai de que logements ce pour. ministère et voilà, ce département ministériel autour de la solidarité, il est souvent, à chaque fois, évoqué, mais jusqu'à présent, en Mais tout il cas, faut c'est le pas. faire. Vraiment, c'est une urgence vitale. C'est une association où, voilà, qui intervient sur le terrain, qui donne, qui fait des tons. Mais qu'est-ce que vous réellement vous demande ces mamans. Alors je sais qu'il y a aussi l'écoute, vous essayez de regagner la confiance, vous échangez énormément. Qu'est-ce qu'on vous demande réellement? Alors dans les nouveaux locaux Oui. maintenant à Saint-Sulpice, Oui. on a plus de temps effectivement pour échanger avec ces mamans. Surtout certaines bénévoles qui adorent discuter avec elles, voir comment elles sont arrivées là. Voilà. Ces Elles ont besoin mamans, de s'exprimer. elles ont besoin. Parce que souvent, elles n'ont pas de personnes, d'autres personnes à qui parler. Elles ont leur assistante sociale, qui elles aussi sont débordées, hein, vu que ça va un petit peu mal partout dans tous les domaines publics. Donc les assistantes sociales n'ont plus trop le temps pour bien discuter avec les mamans. Donc ces mamans, bah, en fait, la moindre oreille qu'elles voient, bah, elles veulent parler, elles veulent se confier, elles ont besoin. Elles ont traversé tellement de choses qu'elles ont besoin de parler et d'être écoutées. Donc souvent, elles sont très très contentes des affaires qu'elles reçoivent. Elles nous demandent souvent des poussettes, qu'on n'a pas toujours malheureusement. Au niveau matériel, c'est ça que vous me demandez? Oui, il y a le matériel, mais aussi souvent, peut-être elles ont envie Ah d'échanger. oui, Alors échanger, parfois, puis c'est pas voilà, évident d'aller voir un psychologue, c'est on a des ça. douleurs internes, et puis c'est peut-être plus facile d'échanger avec Samra Sédik et maman, etc. Peut-être que d'aller voir peut-être un voisin ou quelqu'un qu'on ne connaît pas Parce comme que quand ça. elles voient et qu'on veut les écouter, voilà, elles parlent Bien facilement. sûr. Et elles nous font part du coup de toutes leurs difficultés, en fait, à côté. Elles viennent nous voir à la base pour le bagage, pour la maternité, mais elles nous parlent des autres difficultés. Par exemple, quand elles nous disent que bon, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas d'argent, je travaille pas. Parfois, elles nous demandent si on connaît pas des gens autour de nous qui cherchent du ménage ou garde d'enfants. Enfin, elles nous parlent vraiment de tous leurs Elles problèmes, quoi. sentent qu'il n'y a peut-être pas un préjugé. En tout cas, vous discutez normalement avec elles et là, Tout elles à se sentent fait. plus elles sont en confiance, tout C'est ça. simplement. Sauf qu'on ne les jugera absolument pas sur leur situation, hein, quelle qu'elle soit. Et qu'on est là pour tout, quoi. On est là pour les écouter, pour les aider aussi, si on peut. On essaye de faire marcher notre réseau au maximum. Donc, souvent, quand elles ont des demandes particulières auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, ben, on met un petit mot sur notre page Facebook le jour même. Et bien souvent, ça crée des chaînes de solidarité autour de ces mamans. Par exemple, pas plus tard qu'hier, je postais sur une famille réfugiée syrienne à Bobigny. Voilà, on a reçu énormément de messages disant on veut aller les voir, on veut aller leur apporter à manger, de quoi ont-ils besoin.
C'est beaucoup, beaucoup la solidarité autour de ces mamans, quoi. Solidarité qui existe. Ah oui, en fait, ouais. On n'en voit que les côtés négatifs souvent, mais dans les médias, mais en réalité, Elle existe. elle existe, ouais. Solidarité qui existe. Elle a moins d'un an au sein de l'association. Nous avons rencontré, j'ai rencontré Françoise samedi dernier, notamment à Saint-Sulpice. Et vous allez voir que pour Françoise, ce sont des mamans discrètes et réservées dans leur douleur, souvent, mais qui expriment et qui transmettent un maximum de bonheur. Faire des petits bagages, hein. On est toutes là pour la même chose, on prépare toutes des petits bagages, on récupère des dons un peu partout et on prépare les bagages et quand les mamans viennent chercher, ben on leur donne les bagages tout simplement. La maman vient par l'intermédiaire, si j'ai bien suivi, des assistantes sociales, des sages-femmes, de tous les réseaux sociaux en fait. Elle prend rendez-vous par l'intermédiaire des personnes qui s'occupent d'elle au niveau social et elles sont prévenues que leur bagage est prêt en fonction de ce qu'elles ont besoin et elles viennent les chercher au jour où nous on fait des permanences. Alors ils cachent énormément leur douleur et leur détresse en fait, hein. C'est très rarement ils nous parlent de leurs problèmes, ils sont surtout très reconnaissants et c'est très très souvent, surtout en ce moment avec les périodes de fête, c'est très souvent des messages d'amour qu'on reçoit en fait. Beaucoup de tendresse. On offre tout ce qu'on nous donne en fait. Effectivement, là en ce moment, on charge beaucoup les bagages avec les jouets parce que c'est Noël et il n'y a pas de raison que les enfants n'aient pas de jouets. Et les petits bébés qui naissent ont tout le temps des doudous, des peluches données avec énormément d'amour par les personnes qui nous les rapportent en fait. Alors, ils peuvent nous donner les vêtements qui ne servent plus à leur bébé, les 0-3 mois surtout en ce moment parce qu'on est beaucoup en manque de 0-3 mois. En ce moment, on cherche énormément tout ce qui est combinaison pilote. Ça va parler beaucoup aux mamans, un petit peu moins aux papas, je pense. Les grosses combinaisons chaudes pour mettre les bébés au chaud, peu importe l'âge, hein, parce qu'ils en portent jusqu'à 3 ans. C'est surtout du chaud qu'on a besoin en ce moment. On a besoin des couches, on a besoin du lait, on a besoin d'hygiène pour les bébés. Les poussettes, les porte-bébés, les couvertures, hein. Tout ce qui peut permettre de mettre les bébés au chaud, parce qu'il faut savoir que ces familles, soit n'ont pas de lieu de vie, soit sont dans des hôtels sociaux et ils ont des problématiques pour se tenir au chaud et garder leur bébé au chaud. Oh là! Énormément de choses. Hein. Ça fait du bien au cœur déjà et d'une. Et ça me permet de savoir que je suis utile à quelque chose. J'ai un métier parallèle qui n'a rien à voir avec l'humain. Et là, au moins, je peux me défouler et donner toute la tendresse que j'ai, en fait. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et aidez-nous. Aidez-nous, on en a besoin. Les mamans en ont besoin, les papas en ont besoin et les bébés, surtout, en ont besoin. On vient d'écouter Françoise. Et Françoise, elle est bénévole. On peut parler de Françoise, Marie, Stéphanie, Delphine. Il y a un certain nombre comme ça de vous, Camille, Clémence Sihem. Aussi. Voilà, il y a un certain nombre de bénévoles comme ça qu'on a aperçus tout à l'heure au sein des images. Ces bénévoles, ils sont importants. Et ils reçoivent de l'amour. Françoise dit, voilà, moi, dans le cadre de mon activité de tous les jours, je n'ai pas la chance de donner autant d'amour. Et là, c'est aussi pour elle. Enfin, on donne, mais on reçoit. On reçoit beaucoup. Franchement, Françoise, par exemple, c'est clair qu'elle nous l'exprime souvent. Elle adore venir au local. Elle adore même venir le dimanche matin, se lever tôt, pour recevoir l'amour de ces personnes qu'on aide. Et puis, ça nous apporte à tous. Hein. Ça nous fait relativiser, par exemple, sur notre propre vie. De voir toute cette misère. Se dire, franchement, ça nous fait aller mieux, entre guillemets. Ça nous fait dire qu'on a de la chance d'avoir ce qu'on a. Et ça donne encore plus envie de les aider pour qu'eux-mêmes aient cette chance, en fait. Voilà, les bénévoles, c'est le cœur de l'association, les bénévoles. Elles sont tellement pétillantes, elles apportent de la joie à toutes ces mamans qui viennent. C'est vrai que la force qu'il y a à Saint-Sulpice, c'est que... Il y a une force spéciale, c'est ça. Il y a une ambiance. Pour les téléspectateurs, donc, c'est la plus ancienne église de Paris. Et la plus grande. Et la plus grande, Saint-Sulpice, rue Palatine, enfin oui, un croisement de rue Palatine. Dans un quartier très chic. Quartier très chic. Donc là, si vous allez au 4, vous passez devant le 4, vous avez une ancienne porte, vous ouvrez cette porte, c'est l'ancienne bibliothèque de l'église Saint-Sulpice. Vous pénétrez à l'intérieur d'un sous-sol avec un escalier qui descend. Et là, nous avons cette ancienne bibliothèque et nous avons les locaux d'un petit bagage d'amour. C'est un exemple hors pair, surtout à Air Télévision. Ça a touché tout le monde. On est beaucoup ici dans l'écoute,
l'interreligieux, la solidarité au sein de cette chaîne. Et c'est vrai que vous réunissez les valeurs universelles de l'humanité, l'entraide, le partage, l'aumône, c'est aussi l'islam. Et la particularité, c'est que c'est le père Lacroix, le curé Lacroix, qui vous a ouvert ses portes après une centaine de mails. Voilà, donc c'est énorme. Énorme. Franchement, c'est. Donc on sortait d'un entretien à Montreuil, pour justement. Parce qu'à l'époque, on était à Montreuil. À l'époque, vous étiez chez vous, c'est bien de le rappeler aux téléspectateurs. Ah vous oui, avez tout stocké. Au début. Mais c'est important de le dire. Au départ, vous avez stocké un peu chez vous et ensuite. Dans vous mon garage, voilà. Au début, on a commencé dans mon garage, au sous-sol. On faisait les permanences là. Les premières bénévoles qui sont venues là sont toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'était une autre ambiance, on va dire. Et ensuite, on a stocké à Montreuil. Un jour, on a lancé un appel parce que mon garage, ça débordait. Chez moi, ça débordait. Mon mari n'en pouvait plus. Le mari de ma copine Imène n'en pouvait plus non plus. Donc à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on trouve un vrai local. Alors ensuite, on est parti à Montreuil suite à une annonce sur notre page. Donc un très généreux réalisateur de films cinématographiques, donc Halim Cherti, hein, pour ne pas le citer, nous a proposé du coup son local. C'était une sorte de grange en plein Montreuil. En fait, c'est une belle histoire aussi, parce qu'à la base, il voulait que quelque chose de bien et de beau se passe dans son futur chez lui, avant qu'il y fasse les travaux. Il s'est dit, je veux à tout prix qu'il y ait une baraka chez moi. Donc, ça a été réussi quoi, pour le coup. On est resté un an et demi à préparer des bagages, à stocker. On avait 100 mètres carrés. Du coup, on est passé à 100 mètres carrés. C'était énorme. À recevoir les mamans, les papas, les bébés. Donc, pendant un an et demi. Puis bon, à un moment donné, il fallait qu'ils commencent les travaux. À chaque fois, ils nous disaient, non, c'est bon, encore deux mois. Oui. Donc, on devait rester à la base, il me semble, 6 mois. On est resté un an et demi. Donc après, on est parti du coup au service de Montreuil pour les associations, qui nous ont fait comprendre que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait pas de local. Adapté en tout cas. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y avait plus de place, quoi, qu'il y avait trop de demandes et pas assez d'espace. Donc là, ce jour-là, une super Clémence. Donc c'est une petite recrue, toute jeune, qui est étudiante et qui passe beaucoup, beaucoup de temps pour nous aider, a envoyé donc 500 mails le jour même à toutes les paroisses de Paris. Voilà. Et on a reçu une seule réponse, qui était donc la réponse du père Jean-Loup Lacroix, qui nous a dit qu'il nous accueillerait avec plaisir au sein de son église. Il m'est apparu impensable que ces femmes accouchent dans des conditions aussi tristes. Donc un petit clin d'œil à Jean-Loup Lacroix, curé de l'église Saint-Sulpice. C'est extraordinaire cette association. Extraordinaire. On vit dans un pays où encore dernièrement, on voit qu'il y a une certaine insolidarité, que certains polémistes, pour ne pas les citer, essayent de monter les uns contre les autres. Et on voit en fait que aussi bien l'église Saint-Sulpice, bien, tout simplement, vous le dites vous, hein, c'est aussi les valeurs de l'islam. Et puis on le voit ici à Air Télévision que les valeurs de l'islam, c'est l'entraide, c'est le partage. Il y a énormément d'associations musulmanes qui vont aider tout le monde, peu importe. C'est ça, c'est l'ouverture, c'est... c'est vraiment les valeurs musulmanes, tout à fait, pas les valeurs qu'on veut nous faire croire... qui sont le renfermement ou allez, on n'aide que les musulmans, on reste communautariste. C'est pas du tout ça. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. Franchement, c'est génial. Il y a de tout dans notre asso. Mais vraiment de tout. Niveau religion, niveau ethnie, niveau origine. Enfin. Oui, puis quand les mamans et les papas, on l'a vu samedi dernier, tapent aux 4 rues Palatine à Paris, bon, vous ne savez pas comment sont les personnes. Enfin, non, du tout. C'est surprise. C'est un peu comme au tournée-manège. Non, c'est surprise, ouais. On prend quelques secondes, parlez-nous de cette relation. Alors allez-y. Ah oui, non, j'avais une petite anecdote je vous en prie. Du coup, le jour où on a été visiter la bibliothèque, donc l'ex-bibliothèque des Saint-Sulpice, donc j'étais avec une très très bonne amie qui est très très active aussi dans l'association, donc Camille. Et voilà. Et à ce moment-là, en fait, je ne savais pas qu'elle était juive. Donc je ne savais pas. Du coup, on s'est retrouvés avec une juive, une musulmane et... les chrétiens de la paroisse à nous accueillir et à nous faire visiter. Donc c'était vraiment l'exemple de l'interculturalisme qui montre que tout est... c'est pas ce qu'on nous montre, quoi. Oui, et puis ça s'est fait naturellement, sans... très naturellement, sans préjugés, on ne connaît pas les... en fait. Bien sûr. Très, très naturellement. Voilà, pour citer Camille, bénévole, grâce aux dons que nous récupérons, nous préparons des valises
Donc maternité toute faite avec tout le nécessaire pour laisser jour à la maternité pour s'occuper du bébé les premiers jours de vie. Un petit clin d'œil aussi à Camille. Donc vous allez participer à un concours, vous êtes nommée à Europe 1. Oui, c'est ça. Donc on est nommée pour les trophées de l'avenir. Donc en fait, on est passé dans leur émission pour présenter, c'est une émission qui s'appelle La Solution. C'était pour présenter en gros le concept de l'association. Donc suite à ça, ils nous ont dit qu'on avait été sélectionnés parmi beaucoup, beaucoup d'assos et qu'ils avaient eu un petit coup de cœur aussi pour nous et que du coup, on est nommés et la remise des trophées aura lieu bientôt. Donc il y aura un jury qui va voter pour l'une des associations. Ce que je disais au départ, vous ne passez pas inaperçu. Vous avez été reçu il y a quelques semaines, la France qui bouge. Voilà, c'est ça. Chez nos confrères d'Europe 1, entre 12 et 14. Vous avez aussi gagné plusieurs prix, EDF, Fondation Total. J'avais oublié la Fondation Total. Ouais. Mais c'est vrai, trophée EDF, donc l'année dernière, il y a un an. Pareil, on était je ne sais pas combien de centaines d'associations à postuler. Et du coup, ils nous ont élus dans la catégorie coup de chapeau. Donc, on a eu un prix de 10 000 euros. Ça a été notre toute première entrée d'argent. C'était l'occasion pour nous d'ailleurs de créer un compte bancaire. Et cela nous a permis d'acheter beaucoup de choses pour les mamans et les bébés. Surtout les produits d'hygiène, les couches, des choses qui partent très, très vite et dont on a toujours, toujours besoin. Et puis le prix total, donc de 6 000 euros récemment, avec lequel on a acheté des petites boîtes Happy Nest, enfin des petites boîtes. C'est des boîtes en carton, à peu près de cette dimension-là, dans lesquelles en fait on peut faire dormir des bébés. Parce que tout est adapté, c'est de l'encre alimentaire au niveau des bords et un matelas. Fait pour le bébé. Donc ça leur permet de dormir en toute sécurité. Oui, d'ailleurs, ce que vous souhaitez, c'est qu'à moyen terme, vous avez envie peut-être de créer des partenariats réguliers avec des partenaires qui vous donnent aussi un certain nombre de moyens, de besoins réguliers aussi, des moyens neufs, adaptés à l'hygiène, c'est un souhait. Là, on vient de créer du coup un partenariat avec MAM. MAM, c'est ça. Donc vous connaissez. Oui. C'est avec les tétines, les biberons, c'est une très très belle, célèbre et bonne marque. Donc ils nous fournissent très régulièrement, tous les mois maintenant. On a signé un petit papier la semaine dernière. Et ils sont géniaux, quoi. Ils sont super... ils ont été très, très motivés dès le début. Et du coup, on peut mettre des tétines pour les bébés, enfin, tout ce qu'il faut. Et là, le rêve, c'est pour... excusez-moi. Je vous en prie, maintenant, allez-y. Donc là, on aimerait vraiment bien avoir des partenariats avec des entreprises de couches. On termine par cette belle rencontre, notamment un banquier qui a eu le plaisir de régulièrement de croiser une maman, à discuter avec elle. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, il était allé à votre rencontre et il vous a dit, voilà, moi, j'aimerais faire ce petit geste. Et vous avez fait la transversalité. C'est ça. Donc, il nous a beaucoup touché, ce banquier. Donc, il disait qu'en allant au travail, tous les matins, il croisait une maman qui faisait la manche et qui était enceinte. Puis un jour, il nous contacte en nous disant, elle a accouché. Enfin, vraiment, il passait pas. Il fait partie de ces personnes du quotidien qui restent pas insensibles à ce qui se passe autour d'eux, quoi. Et cette personne a pris le temps de s'arrêter, de parler avec la maman, de voir leur situation, et du coup, il nous a contactés afin qu'on lui transmette des petits bagages. Et j'ai été du coup dans sa banque. C'était marrant. J'ai débarqué avec la poussette et tout ça sur son lieu de travail. Donc, il a tout pris, il a tout remis à la famille. Et ils ont gardé contact aujourd'hui. Oui. Et ils échangent aujourd'hui. L'espérance ne mène à rien, mais la persévérance mène au droit chemin. C'est une citation de François Morin que vous utilisez souvent, que vous aimez. Oui, tout à fait. Donc, cette phrase veut tout dire. Il ne faut pas rester à espérer. Il faut faire les causes, comme on dit, même en islam, faire les causes et pour pouvoir avoir quelque chose au final. Merci pour ce bel exemple à tous les niveaux. Vraiment un beau travail, vous donnez la vie chez vous, vous donnez la vie au travail et vous donnez aussi la vie avec tous les bénévoles de l'association. Un petit bagage d'amour au sein de ces mamans qui sont dans la douleur et dans la souffrance. Et puis cet exemple hors pair, voilà, c'est une communauté de bénévoles avec toute religion confondue et votre siège, votre QG comme on dit. Il est au sein de l'église Saint-Sulpice, quartier chic de Paris, dans les sous-sols. Vous avez été accueilli par le père Jean-Loup Lacroix. C'est vraiment magique comme histoire. On passe plus de temps à l'église qu'à la mosquée maintenant. Et vous passez plus de temps à l'église qu'à la mosquée. C'est ça. Comme quoi. Mais on a beaucoup d'exemples comme ça à la télévision. Merci infiniment en tout cas pour ce beau moment magique. Je ne sais pas comment on peut vous dire merci parce que vous faites un travail
un travail remarquable et bravo encore. Et merci, on va vous suivre. Merci vraiment pour votre accueil, pour l'intérêt que vous avez porté à notre asso. Ouais. C'est vraiment, vous me touchez beaucoup. Vous m'avez beaucoup touché là, dans vos paroles. Non, mais c'est sincère. Et quand on en a parlé, je vous le garantis vraiment, Air Télévision, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas passer à côté de cette personne, de cette association et de tous ces bénévoles. Merci à Aziza El Ouagadi d'avoir préparé cette émission à mes côtés, Abdella, Mehdi, Mohamed, merci d'avoir été à mes côtés, côté technique et réal. On va se retrouver très prochainement. Encore une fois, prenez soin de vous, n'oubliez pas de dire je t'aime aux personnes que vous aimez. Bonne année 2019 et à très vite sur Air Télévision.